Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. T'as fort, on parle fort comme c'est... l'ardeur. Ouais, c'est comme ça au catch. Il tue les t'as ingénieurs public. De son. Marcus casse les jambes. Ah. Jean Pator, est-ce que on va voir ça. On va voir. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Didou. Voilà. Ah. Qu'est-ce qu'il a fait Didou? Il a chambré Winnie l'ourson, je vais le tuer. Bon, eh ben, ça a frité sec. Le jeu s'appelle WWF SmackDown, c'est sûr. C'est de la balle. PlayStation 2, que moi, ça se passe. Moi, j'ai joué avec Bab l'autre fois. Ah ouais? Alors, vous êtes bien battu? Je l'ai pas tué, mais c'est bien. Un c'est bon moment de détente. C'est, allez, on va dire, c'est le meilleur jeu de catch en ce moment. On n'y connaît pas grand chose. Enfin, moi, j'y connais pas grand chose. Jean-Pat, encore moins. Ah, attends, tu te trompes. Moi, ça, l'Ultimate Fight, c'est que c'est du bonheur. C'est ton truc. C'est mon dada, c'est ma marotte à moi. Donc voilà, on n'a pas beaucoup révisé. L'idée, c'était de se friter dans des costumes ridicules, comme à chaque fois qu'on fait du catch. Bien joué le costume. Ça, c'est les cheveux de Juliette. C'est pas un slip, moi, je tiens à le préciser. C'est un bras de t-shirt qu'on avait utilisé pour faire autre chose. C'est plus. Le bonnet d'Organize, les gars. Si on se retrouve dans la même boîte, c'est pas moi qui ai fait la vanne. Voilà, WWF SmackDown, Just bring it on. Donc voilà, l'idée, c'est de se friter avec des gros catcheurs. Allez, j'appuie sur Start. C'est toi qui es chef encore de la télécom. On n'arrête pas de hurler, je sais pas si t'as remarqué depuis tout à l'heure. Mais oui, mais c'est le catch. On ne voit pas tes yeux, regarde. Alors que t'as des si beaux yeux. Non, je ne veux merci, pas de carte mémoire. Ce qui nous arrive avec ton petit collier c'est là en cuir. C'est la ceinture à ta il femme, a mis je la te rappelle. De ma femme autour du cou. Qui se promène avec le pantalon librement lâché dans les couloirs et de Game One. Ils ont demandé à ma chère épouse de passer avec son. Comme ça. Non. Comme ça, non, avec. On aurait dû mettre un corps parental alors souhaitable. Alors qu'après, l'accord parental souhaitable, je vous dis pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on va dire eh bien, de ce écoute, jeu nous allons. Que du bien, franchement, que du bien. Bon. Même si on va pas faire un level 1, à mon avis, foudroyant. Attends, on veut jouer à deux. On veut jouer à deux. Voilà. Deux players. Moi je prends la gonzesse. Alors regardez les têtes qu'ils ont. Alors effectivement, il y a des super gonzesses. T'as vu Pierre, t'as enlevé juste. Oh. Et moi je prends elle. Molly Holly. Allez, bah faisons ça. Combat de gonzesses pour commencer. Kane. C'est parti. C'est Kane. C'est vraiment un des jeux de catch les plus complets qu'on puisse trouver, en tout cas sur PlayStation 2. C'est le meilleur. Decision. De la vie des spécialistes, parce que vraiment. Toi t'es la blonde, moi je suis la brune. D'accord. Comme dans la vraie vie, ma copine. Hein c'est à peu près comme mais ça. Oui. Oui, je reçois beaucoup de mails de gens qui sont super fans de catch. Vraiment, oui. Vraiment. Et qui adore ce jeu. Donc c'est que c'est bon, c'est et que c'est bon. Les gars, on ne se moque pas. Hein. Non, pas du tout. On est dans l'ambiance. Attention, parce qu'il a reçu des menaces de mort et tout. Moi, j'y suis pour rien. J'aime bien rire, juste. Alors regarde, voilà l'arrivée de nos donzelles. Ah oui, oui, oui. Regardez les cinématiques. C'est pas ça, n'importe c'est quoi. Terrible. Oh là 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 là. Alex Nassar, il devient fou quand il voit ça. Et des fois, on les voit en vidéo. Il y a des vraies vidéos. C'est là qu'il devient fou, Alex. Parce qu'évidemment, c'est des vrais catcheurs. Ouais. C'est-à-dire que eux sont aussi ridicules. Je vais pousser ma touche pendant que je suis pas à l'image. Pour que l'ingénieur du son ne vienne pas me taper. Parce que oh, oui, bah, je suis à l'image, bah oui, bah. Non, bah, voilà. Sous les bras, c'est pas très élégant. T'aurais c'est pu petit, éviter ça. C'est petit, c'est petit. C'est pas très gentil. Alors de... ça, c'est la tontienne. Oui, c'est ma c'est mienne. C'est Molly Holly, c'est ça, non Holly Molly. Holly Molly, l'autre sens. Et on va voir la tontienne. Voilà, va arriver, regardez la bombe. Ah, voilà. C'est la vraie. Alex, regarde ces images. Il est amoureux d'elle, je crois. Oh là 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 là. Mais secrètement, bien sûr, faut pas en parler. Oui, parce que c'est secret. Alors regarde tout de suite en 3D. En 3D, tout de suite, bon, ben, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. On dirait Caro, notre maquilleuse. Un petit peu dans les traits. Non, pas. Non. Oh, je sais pas, peut-être. Un string, petit peu. Non. Peut-être. Caro, elle est là, elle est partie, ça y est. Peut-être dans le string. Bon, en tout cas, c'est des super catcheuses. Elles ont toutes des coups spéciaux. Évidemment, chacune leur truc. Je vais tuer, ça va chauffer. Allez, on coupe la cinématique, on y va direct. Allons-y, on n'a pas révisé, on ne sait pas sur quoi. Ah, moi j'ai révisé, c'était vendredi dernier. Donc avec j'ai un Ben, peu mais t'as joué sans moi. Regarde ça. Regarde alors ça. Voilà, il est à droite. Et j'ai Holly Molly, la blonde. Oh, il m'a pris le pied. Et là, attends, alors il m'avait expliqué carré, tu tiens, cours. Regarde, là, mais je t'attrape. Coquine. Parce qu'il y a un truc pour choper les gens. Oh, bah voilà. Tiens, tu vas jeter en l'air. Ouais. Alors le problème, c'est que je peux donner un avis d'un mec qui a testé un peu. Oui, vas-y. Sincèrement. Tu restes trop longtemps à terre, vraiment. Tu vois, t'as aucun pouvoir. Ça, c'est vraiment trop long, quoi. Mais on peut choper. Il y a un truc. Il y a ça pas mal qui est assez rare dans les jeux de catch. Tu vois que j'ai bien joué quand même. Je me suis pas mal entraîné par rapport à toi qui a pas joué du tout. Et là, tu peux courir. J'ai quand même joué un petit peu et je me suis aperçu qu'on pouvait. Tiens. Oh, claque. La claque dans la tronche, un classique. Et moi, ce que j'aime bien, c'est m'en prendre à l'arbitre au bout d'un moment. Oui, c'est vrai. C'est on peut génial, faire tous les deux, regarde. Ça, c'est génial. Sinon, on peut on diriger, voilà. On peut s'en prendre toutes les deux à l'arbitre. Sauf que tu m'en as mis une petite appuie en passant. Appuie sur R2, c'est R2, regarde. Alors, à ce moment-là, tu vas te fixer sur l'arbitre et on peut se le taper tous les deux, toutes les deux. Ouais. C'est quand même pas mal. Voilà. Mais tu vois, regarde, il y a quand même... Là, il est dans les corps, viens, on lâche. Regarde. Mais oui, mais tu m'en as collé une. Tu vois, c'est ça qui est pas bien dans le jeu de catch. Tiens, je vais te jeter. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que ces manières? Coquine! Oh!
Ça, c'est un nom qu'on ne peut pas donner en télé, en tout cas pas dans les heures où sont diffusées. C'est Level One. C'est je me suis jeté par terre. C'est moi, tu fais ce que tu veux. Hein. Voilà, tiens. Voilà, l'arbitre revient, et on sent qu'il est un peu dégoûté. Et maintenant, on va se fighter quand même. Alors, le problème. Il y a aussi des petites menaces, regarde, je vais te faire une petite menace. C'est la regarde, petite L2. Je ne fais rien et elle court toute seule. Je te garantis que c'est vrai. J'ai lâché les manettes, regardez. C'est exact. Je ne sais pas si ça s'appelle un bug. Tu l'as lancé. Non, c'est normal, c'est que tant que. Ah, voilà. Voilà, là, j'ai réussi à le choper. Donc, un truc pas mal dans ce jeu, c'est qu'on peut contrer les coups avec la touche carré, je crois. Ah, bah, t'es plus fort que moi. Tu peux, quand on te porte un coup, tu peux. Voilà, là, tu vois, je t'ai attrapé le pied pour contrer le coup. Voilà. Je vais t'y retourner. Et punaise. Et moi, je n'agis pas, voilà. Je n'agis plus. Tu vois, c'est ça que j'en reproche à ce jeu. C'est que dès que t'es pris en main par l'adversaire. C'est fini, mais tu peux contrer le coup avec le carré. Regarde, tu vois. Alors, bien sûr, on peut monter dans les cordes. Les scènes au sol sont trop longues, tu vois. Voilà. Voilà, je vais sauter sur toi. Voilà, je t'ai encore chopé le pied, tu vois. Moi, j'aime bien trouver des... Oh là, dis donc, tu enlèves ta main immédiatement. Tu enlèves ton bras d'ici, s'il te plaît. C'est pas possible, salut public. Oh, t'es redescendu. Mais oui, viens dans la foule. Bon, d'accord. Et, attends, je vais te sauter dessus plutôt. Voilà. Bah, par terre plutôt, tu voulais dire. Et là, moi, je t'ai loupé aussi. Tiens. Donc, évidemment... Oh oui, dis donc. Il va falloir que je remonte très très vite. Je t'ai mis un coup de tête dans la cheville. Ça, c'est une grande spécialité. Moi, je m'en vais. Moi, j'habitais dans une cité. Regarde, je suis dans la foule, viens. Mais j'arrive pas à avancer. Non, par contre, ce qu'il faut, c'est il faut absolument revenir, parce que sinon, on va se faire virer. Qu'est-ce que tu faisais regarde, avec ces gens? Ça arrive à 10, on va se faire virer. Et voilà, ring out, on s'est fait virer. Ça nous apprend. On s'est fait jeter comme des... En tout cas, ça vous donne l'idée de la richesse du truc. On peut carrément aller dehors, on peut casser des bouts de podium. Mais ce qui est bien, c'est effectivement que tu peux à peu près tout faire. Voilà. Ce qui est moins bien, c'est que moi, vraiment, j'insiste, mais quand ton adversaire te fout au sol, tu restes trop longtemps au sol. Oui, c'est vrai. Et je trouve ça. C'était le contraire avant. Je trouve ça pas très bien. Mais quelle puissante musculature, j'en fais. Des scènes de catch pendant le truc. Pierre m'a dit spectacle. Ah, il m'a dit si t'as le temps, tu te jettes. Mais on n'a pas la place là. N'abîme pas les canards. Alors regardez toutes les têtes. On n'a pas le temps de regarder tout à l'heure. Je veux que des filles. Moi j'ai un jeune cat dynamique. Oh, c'est Steve Blackman, la grosse brute. Steve Richards. Oh, lui, regarde. La bête. C'est la bête. Oh, personne n'a pris. Prends ça, ça m'intéresse. Allez, je prends aussi. Voilà. Tiens, comme pas trop de tout le temps. Decision. Il y a des tas de rings, il y a des trucs hallucinants, c'est des trucs genre le dernier vivant. Vraiment, je peux pas détailler parce qu'en fait c'est un truc de spécialiste. C'est le jeu de chevet de Pierre Boulet en fait. C'est vraiment un truc de spécialiste, je trouve. Il y a des gens qui adorent ça, qui vous diront que c'est vraiment meilleur. Faudrait qu'on fasse venir les commentateurs de catch. Oui, il y a des petits gars qui ont un site internet sur le catch. Je me souviens plus l'adresse, ils m'écrivent de temps en temps, donc je les salue au passage. Ils nous apprennent des trucs et tout. Oh, regarde, enlève-nous Pierre, c'est gâché. Ah là là là, mon dieu. Tu vois, ma DV fonctionne bien quand même. Moi, je me suis acheté une caméra cet été. Et voilà, et tout de suite en 3D, c'est un peu moins bien. Là, par contre, je ne cautionne plus. Oh, elle est jolie quand même. C'est pas beau, hein. Bah, et alors, quand même, c'est quand même courageux de la part des programmeurs de mettre une vraie scène et après derrière. Oui, c'est vrai. Parce que forcément, les plus critiques vont dire, ouais, mais on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore, mais on approche, regarde. Elle est quand même mignonne. Les mouvements sont bien, en tout cas. Et tout ça, donc, encore une fois, c'est des vrais catcheurs. Et attention, il y a la bête qui va arriver. À savoir moi. Alors attention, est-ce qu'il y aura une belle. Je voudrais pas dire, mais la réelle est quand même bien foutue quand même. Hein. Ouais, ouais. Ça nous change des réelles de. De Game One. De Dawa par exemple. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, c'est monstrueux. Hein. Un petit bisou, c'est quel côté c'est là, c'est en bas là. Tu penches la tête. On voit, pas mal. Ah non, tu arrives bien. Pas mal, ouais. Je pensais que t'allais plonger dans le décolleté. Ah non, pas le genre de vrai, moi. Alors attention, la bête. La bête. Oh là là. On l'a en vrai. Non, même pas. Lui, il n'existe pas en vrai. C'est Predator. Lui, ils l'ont mis comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Carrément, Ken, il s'appelle. Ken, le pas survivant. On va voir si tu vas survivre à notre petit combat. Ah, il a un petit voile de veuve portugaise, tu sais. Je salue la communauté portugaise qui nous regarde. Hein. Je doute que ce soit une veuve portugaise. Mais alors, il a piqué le verre à quelqu'un, regarde. Et allez, il crie. Est-ce que je vais tuer? Allez, on y va. C'est parti. Oh là là, je connaissais quelqu'un qui avait des flamèches comme ça sur ses t-shirts. Ouais. Là, tu connais des gens dans le milieu du digital. Tiens, regarde ça. Alors oui, regarde. Oh, est-ce que t'as vu comme j'ai bien esquivé voilà. Donc ça, c'est toujours la touche d'esquive dont on parlait tout à l'heure. Je vais droiter. Mais on peut aussi prendre de l'élan pour latter l'autre. Oh. Tu vois, le temps au sol est beaucoup trop lourd à gérer. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, je suis passé en dessous, t'as vu? Ouais. Juste pour... Entre les Suisses. Et les gens qui passent entre les fêtes, toi t'es passé entre les Suisses. Donc t'as vu quand même la prise en main est assez immédiate. Regarde, oh là 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 là, qu'est-ce que je t'ai mis. C'est un truc de spécialiste, donc pour vraiment apprécier, je pense qu'il faut être spécialiste, mais on peut aussi évidemment se marrer avec des potes, jouer à 4, et là c'est vraiment immédiat. Mais Caro, je crois qu'elle connaît les termes, notre assistante maquilleuse. Oui, elle a fait du catch en compète. Si. Ça m'étonnerait. Avec le boucher de Quimper et tout, là, le truc, tu parlais avec Tom Novembre une fois. Elle, ça lui a parlé. Elle a vu ce level 1, elle m'a dit, mais je connais toute cette bande et tout. Moi, j'ai maquillé ces mecs-là. Et elle leur maquille tout le corps, c'est incroyable. Parce que c'est du spectacle. Show must come on, comme disent les Allemands. Tiens, hop là, elle est pas volée, celle-là. Show must come on.
Ah là là, moi Jean-Pat. Quand je pense que Jean-Pat est directeur des programmes chez nous, quand même. Ça t'aurait pu éviter dans cette émission, tu vois, les gens n'auraient peut-être pas fait l'association tout de suite. Oui, c'est toi qui décides un peu des programmes, des beaux programmes que tu vas avoir sur Gimoine. Oui, c'est vrai. Oh là là, c'est pas beau ça. C'est bien. Chouette métier, rude métier. Et puis je fais aussi. Ah, j'ai des cheveux, chers téléspectateurs, on s'était dit avec Marc. Ah oui. Qu'il fallait que j'en parle. Un petit récapitulatif de la part de Jean-Pat. Alors vous m'écrivez, vous envoyez des jolis dessins me concernant. J'ai des cheveux. J'ai pas eu de cheveux pendant juste 8 mois sur 3 ans de Gimoine. Et des gens continuent à dessiner. Les gens me dessinent chauve. Alors, est-ce que ça veut dire que vous voulez que je... Ça, c'est à Juliette, mais j'en ai des vrais en dessous. Tiens, je t'avais en même temps, je te mets des petits coups quand même. Hein. J'ai vu. Donc ça... Attends, mais moi aussi, j'en ai à ton service. Regarde. Oh, pas mal, tu as bien brisé. Oh, yeah. Oh là 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 là. C'est le petit voile... Alors, j'essaie d'estiver. Ouais. Oh, je me suis jeté par... Toujours aussi à droite. Qu'est-ce que je fais là? Oh, putain. Oh là là, joli. Le plus dur, c'est de pas dire des gros mots quand on joue à des trucs comme ça, parce que normalement, entre amis à la maison, tu ne te prives pas. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, c'est aussi, c'est tout le plaisir du truc. Hein. Alors, regarde, je vais essayer de faire ça. Ah oui, si. Alors, sinon, t'es recovering. Je peux casser normalement. Tiens, je vais mettre des petites droites à l'arbitre pendant que t'es pas là. Tiens, je vais finir. Voilà, je l'ai sorti, t'as vu? J'avais réussi à casser le podium la dernière fois, j'arrive pas à le faire. Là. Tiens, regarde. Attends, mais laisse cet arbitre, c'est très malhonnête. Tac. Je vais t'aider, laisse-moi faire. On va le jeter. Hop là. Et on doit pouvoir se mettre à deux dessus aussi. Bon, ouais, rock'n'roll, t'as vu, on a fait un petit pas de danse. Tu regardes pas ça sur Paris 1er le dimanche, ils font de la danse acrobatique. Ils font tout Paris 1er. Dans des tenues comme ça? Oui, danse acrobatique. C'est étonnant. Attention. Alors regarde, je vais monter là-dessus et te sauter dessus, bah t'es un peu loin. C'est dommage. T'as pas pris assez d'élan. Tiens, je te prends par la taille, tendrement. Mais comment une nana pareille peut foutre? Mais c'est vrai en plus. Oh tiens, voilà la bande là. On est que deux là, mais on pourrait essayer un tag match. Mais qui c'est ce mec? D'où il sort? C'est un pote à toi? C'est Manu. Tu me souviens de Manu? Bah c'est lui, je lui ai dit tiens, tu passes dans le Valois à un moment. On peut jouer en double, mais en plus c'est lui qui fait tout, regarde, c'est horrible. Et moi je peux même pas le frapper, ça c'est fort. Tiens, je vais frapper l'arbitre en attendant. Je me suis foutu par terre, regarde ça. Tu es en train de te battre tout seul là. Tu peux appuyer sur R2 pour changer de cible, on va dire. Donc, ah bah regarde, l'autre il se bat avec l'arbitre. On sait pas d'où il sort, il vient se battre. Et là, c'est un peu perturbant. Il y a plein de modes de jeu, on peut jouer à deux, on peut taper dans la main évidemment de son coéquipier. Pour, mais je me bats dans le vent, regardez ça. Appuie sur R2, regarde. Voilà. R2. Ça, tu vas, voilà. Là, tu es focalisé sur moi, c'est beaucoup mieux. Oui, effectivement. Et là, je ne peux pas réagir tout de suite. Voilà, tu m'as mis la tête. Essaye d'esquiver, quand c'est comme ça, esquive avec le carré. Tu verras, ça risque. Oh, oui. Oh joli, oui. Là j'ai fait esquive, c'est tu vois. Très belle esquive. Tiens, on visage. Et le voile ne bouge pas, hein. Il a pas perdu son voile. Ah non, il est trop fort. Oh là là. Aïe, 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 mon pied. Oh là là, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Oh, coquine. Même pas un petit bisou avant, la barre, du tout. Tu vois, c'est... Alors, il y a des petits bugs de collision, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est marrant, c'est ce qui rend le truc, tu vois. Il y a ton pote qui est là. Alors, regardez, je peux carrément aller dans la foule. Je vais pouvoir récupérer cette grosse caisse. Lance-moi la caisse. Attention, tu vas être... Attends, il faut que je ressorte. Parce qu'on peut aller chercher des objets dans la foule. Regarde comme je me bats bien seul, regarde ça. C'est beau, hein. Attends, ce que je veux faire, c'est... Je suis sorti, ça. Je sais plus où est la touche. Je veux sortir, monsieur, s'il vous plaît. Lui qui m'énerve. Il me fait chier. Pendant que tu t'occupes de l'arbitre. Faut pas dire de. Tiens. Tu l'as pas volé ça. Oh bah bravo. On va peut-être changer de match. On va peut-être pas finir ce match. C'est toujours assez long. Je fais exit game. Et il nous reste du temps? Je ne sais pas. Oui, encore un peu. Un petit match à 4. On peut faire un petit truc à 4. On va changer. Alors regardez tous les modes. Juste tous les modes de jeu, c'est impressionnant. Il y a une histoire qui me revient, mais je me rends compte que je ne peux pas la raconter. C'est dommage. Ça, ça collait parfaitement. Alors, regardez, c'est incroyable. Au catch à 4. Royal Rumble, King of the Ring, allez, tu vas faire ça. Hardcore. Il y a vraiment de. Et Beb aussi est très accro à ce genre de trucs. Un tournoi, je peux pas. On va juste rester dans l'exhibition, peut-être pour le moment. Ou tag. Exhibition. Tag, on est à plusieurs, on peut changer. Normal tag, ou avec un manager, on peut faire intervenir les managers. Tornado, c'est une marque d'aspirateur, ça peut faire gaffe quand même avec le CSA. Moi, je suis là comme. Donc là, on va être accompagné d'ordinateurs. Appuie sur croix-croix deux fois. Là, on peut pas choisir. Ah, si. Steve Austin, cosmonaute. Non, excellent. Ah, je vais prendre le jeune 4 dynamique. Tiens, regarde, changer, on va Vince McMahon, moi je prends. Regarde. Et on dirait un commentateur météo américain. Undertaker, alors, lui, ça fait longtemps qu'il est dans le circuit. Albert. Attends, je vais prendre Big Show. Je prends Big Show. Moi. Allez, amusez. Donc à prendre des gars là, pour finir un petit peu. Vraiment, il y a plein de modes de jeu. Je peux pas rentrer dans les détails, mais vraiment, c'est le meilleur jeu de catch. Non, c'est bon. Hein, et puis ça fait du bien. Moi, j'aime bien que les trucs un peu ou de baston pour juste pour se vider la tête. Bah là, à 4, je te garantis que c'est le bonheur. Les trucs de stratégie, les trucs. Moi, ça me fait mal au crâne. Je comprends pas tous les mots. Ça fait mal au crâne, sauf quand on tombe, quand on est retourné. Ah ouais. Oh, le jeune 4 dynamique entend l'alarme de sa voiture. Ah ouais, regarde. Tu sais, c'est Dilbert qui aurait pris du poids. Tu sais, la bande dessinée dans les bureaux.
Vous voyez, je passe un peu les cinématiques. Ouais, un petit peu quand même. Histoire qu'on voit, est-ce qu'on va voir le tien direct? Voilà, on va passer, on va essayer de tous les voir. Moi j'ai pris Albert. Ça c'est le mien, c'est Albert ça. Allez, je passe, on va voir les autres, vite fait. Un bon jeu, hein. Ouais, franchement. Un bon jeu. Franchement. Nous on n'est pas des spécialistes, mais on se marre bien, vous avez vu dans quel état ça nous met. Regarde ça. Les costumes, ils sont pour beaucoup. Je vous recommande ça, c'est, de vous déguiser ça, chez vous. Ça, c'est que du stress. Hein? Puis tu manges pas assez non plus. Comme ça. Je vais nous refaire... Oh, il est beau, lui. Regarde, et bah lui, bah voilà, il était à la météo avant. C'est le Laurent Romuchko de la chaîne des États-Unis. Alors appuie sur Start pour qu'on puisse passer. Il a un peu le pif, on sent qu'il boit un peu, non? Il a un peu le pif. Il a un peu le pif. Marcus, fais attention, tu vas finir à la météo. Je ne me le souhaite pas. Oh, il est beau lui aussi. J'ai entendu à la télé une nana qui disait qu'elle avait fait un rêve. Non. Oh, je sais, c'est Stevie Duloft. C'est pas une nana, ça y est, ça me revient, ça m'a énervé. Stevie Duloft, ce week-end, je l'ai entendu. On va se battre en même temps. Tu sais ce qu'il disait, ce couillon? Tiens, moi, je frappe même les adversaires. Écoute bien. Oui, vas-y, dis. Il dit, j'ai toujours su que j'allais être quelqu'un de célèbre. Bon, ça, c'est fait, effectivement. Ça, il a bon. Et depuis tout petit, je me voyais à la météo, être une star de la météo. Alors, pour l'anecdote, quand même, même si le boulot de présentateur météo est un boulot respectable et respecté, faut savoir qu'en télé, c'est généralement un peu le placard. Hein. Parce que Patrice Drevet, que nous, on a connu à la belle époque de Presse Citron, il faisait des trucs pour les jeunes. Drevet vend la mèche. Ils l'ont foutu à la météo et dans Télématin. Double croix. Ça, c'est blâme contre blâme. Hein. Ça, c'est faute lourde. Hein, c'est des bêtises. Bah ouais. Et ce con, ça s'est arrêté, dit, je sais pas pourquoi. Il dit comme ça. Non, mais j'ai appuyé sur croix-croix tout le temps. Allez, ça va faire, je sais pas, King of the Ring, allez. Tu veux pas qu'on l'invite, Stevie? Steve, non, non, merci, non. Juste pour la coupe de cheveux. Je m'en fous, sinon je le casse dans Dawa, moi. Ah non, non, moi je fais ce que je veux. Moi, l'idée, c'est de le recevoir pour lui dire que ça sert à rien, tout ça. Je sais même pas ce qui s'est passé. Le combat, c'est terminé. Mais oui, on était trop bon. Ça, ça veut dire que c'est la fin, là, on a vu le nom du jeu. Oulala, oui, ça va être fini ce level 1. Donc bon, vous avez vu qu'on n'est pas rentré dans les détails. Bah, dis bonjour, dis bonjour le gars derrière la caméra. Appuie pour qu'on ait un gars, pour qu'on finisse bien. Ça y est, c'est parti. Vous avez compris que c'était extrêmement riche, extrêmement rigolo à deux, encore plus à quatre. Oulala, oh on a pris un, je sais pas quoi, un championnat. On a pris un truc de folie. Oui, on n'est pas prêt d'arrêter, on va aller se coucher. Donc voilà, King of the Ring, nous allons faire, je sais même pas ce que c'est. Voilà, donc amateur de catch, vous serez comblé vraiment si vous aimez le catch. Et je serai à la queue en brie le 31 décembre à midi. Pour l'inauguration. Un hommage à Marilyn Manson, je chanterai que des chansons en français de Marilyn Manson, adaptées par moi-même, et à 23h Adamo pour le passage à l'an 2002. Bonne année 2003 pour la rediff. On y sera, on y sera. Merci, mon Jean-Pat, d'être venu. Merci, Marc. Yo, on va se faire des grands. On remet ça. On remet ça. Allez, c'est parti. Ciao.